Comme chaque année, il est une nouvelle fois temps de tirer un bilan. Un bilan d'une année cinématographique qui a été riche. Tellement riche qu'on a presque l'impression de se noyer par moments. Je ne saurais pas vraiment comment vous définir mieux l'année 2023 que trop. Trop de films, trop de sorties en même temps, trop de longs métrages qui se sont un peu marchés dessus au fil de l'année cinématographique, donnant parfois une sensation de trop plein, de loupé, de films qui auraient pu marcher, qui auraient dû marcher même, mais qui se sont ramassés et qui n'ont tout simplement pas réussi à toucher un public qui normalement aurait dû instinctivement se ruer sur certains de ces films sans la moindre hésitation. De cela, on retiendra surtout cette sensation que beaucoup de métrages ont coûté trop cher et n'ont pas réussi à rentrer dans leurs frais, même ceux qui ont marché en salle, c'est dire parfois. On retiendra également la fin d'une ère, potentiellement, la suprématie super-héroïque semblant toucher à sa fin et offrant éventuellement, si l'industrie américaine le veut bien, un avenir radieux pour la créativité et la nouveauté. Et nous retiendrons aussi de nombreux gros films qui n'ont pas été à la hauteur de ce qu'ils avaient promis d'être, soit la plupart du temps de bons divertissements, qui se sont avérés être tout simplement tristes, ternes, voire même simplement catastrophiques. Mais alors dans tout cela, vous allez me dire, est-ce qu'il y a quand même un minimum de positif ? Personnellement, j'en vois un gros, un énorme même. La sensation qu'au milieu de cette débâcle et de ce fourre-tout de longs métrages en tout genre, il y a eu beaucoup de bonnes choses françaises. Beaucoup de films de chez nous cherchant à offrir une autre manière de concevoir le 7ème art, de captiver les spectateurs, d'emporter sur son passage une majorité du public qui ne demandait qu'à être conquis et de titiller la curiosité de ceux qui souvent boudent les salles de cinéma et n'osent pas découvrir de nouvelles choses. Ces cinéphiles en devenir, ces spectateurs latents dans le besoin, dans l'envie de se déplacer pour voir quelque chose de surprenant, d'étonnant, je trouve que plus que jamais, même si on n'en retrouve que 3 d'entre eux dans le top 10 de l'année au box-office et pas forcément les meilleurs, le cinéma français a démontré qu'il était fort, qu'il était créatif, qu'il était inventif et qu'il n'avait aucun égal pour s'essayer à de nouvelles choses, pour ne pas se limiter à un énième drame social ou une fresque tragique en costume, mais à du cinéma de genre, de la comédie potache et du drame romanesque ou épique, et cela fait énormément de bien à notre production et à notre paysage culturel. Ainsi, on sent clairement de la part du cinéma français, mais j'aurais envie de dire du cinéma de manière générale, une envie de nouveauté, de créativité. Au fond, on sent ce que beaucoup de cinéphiles, passionnés comme moi, défendent depuis maintenant plusieurs années. Mais le fait de voir beaucoup de longs métrages chercher à atteindre cet objectif, et pour la plupart même l'atteindre, cela fait plaisir et promet de belles choses pour les années à venir. Après, on n'est toujours pas à l'abri de voir une inversion totale de la balance et d'avoir une année 2024 mauvaise, mais en somme, cette année 2023 est à cette image une année un peu trop pleine, pleine de tout et n'importe quoi, mais surtout une année pleine d'espoir pour notre production face à une machine hollywoodienne qui semble clairement avoir besoin de se remettre en question, de se poser des limites, pour ne pas sombrer dans un espèce de trop-plein anarchique où personne n'arrivera à y trouver son compte et où même pire, cette production risquerait une nouvelle chute. En soi, cela ne pourrait que lui être bénéfique. Mais le risque, c'est que notre économie cinématographique en pâtisse très franchement, même si les succès de nombreux films français pendant la crise des scénaristes et acteurs aux États-Unis nous prouvent que l'on peut se tenir sans les blockbusters. Une belle promesse pour une année cinématographique extrêmement généreuse, mais qui l'a peut-être été justement un peu trop. Et sur ce, on se retrouve demain pour commencer concrètement cette semaine de top et de flop.